Bonjour Nadège, bienvenue sur Le Gratin. Merci, bonjour Pauline. Ça me fait plaisir de vous avoir en plus en live de New York comme ça. C'est sympa, ça change. Ouais, avec un petit 8h30 du matin pour moi, mais... Bah vous êtes fraîche comme la rose, Nadège. Voilà, Nadège, si ça vous va, on discutait un tout petit peu avant de commencer pour les auditeurs, voilà, je voulais vous le dire. Et vous m'avez dit pourquoi vous êtes partie à New York. Et je trouvais que c'était super chouette de commencer comme ça, parce que finalement, ces grands changements de vie, c'est un peu ça aussi, je pense, qui plaît à l'audience du Gratin, qui très souvent sont des personnes qui se posent pas mal de questions, qui sont assez curieux. Et je vous ai demandé, je vous repose la question du coup, pourquoi est-ce que vous êtes partie à New York? Pourquoi est-ce que vous avez décidé, alors que vous aviez fait toute votre carrière en France, enfin elle est très internationale hein, votre carrière, mais elle était basée majoritairement en France, pourquoi est-ce que vous avez fait ce grand saut? Donc comme je vous le disais en fait, c'est vrai que déjà New York c'est un grand, ça a toujours été un rêve et j'ai toujours eu la sensation quand je venais à New York que mon cœur il battait à la vitesse de cette ville, plus qu'à la vitesse de Paris en fait. Et donc quand j'étais à Paris consultante, j'ai toujours fait des allers-retours et j'ai toujours cherché un peu mollement mais à trouver des clients à New York et voilà. Bon ça se faisait pas mais c'était vraiment mon fantasme. Et New York en fait est arrivé vraiment là pour le coup, je l'ai pas cherché, c'est vraiment quelqu'un que je connais bien qui m'a proposé un jour que j'étais à New York en mission pour un de mes clients, je la vois et elle me propose ce job que j'ai accepté, mais vraiment en 5 minutes au bord d'une table, quoi. Et là, en fait, évidemment, ça a été genre mon cœur est battu à toute vitesse et je me suis dit non mais ça y est quoi, genre mon rêve se réalise. Enfin. Et, donc ça a été en fait quelques mois de réflexion. De peur et puis de réflexion parce qu'en fait j'ai une vie à Paris, un mari, une petite fille, des beaux enfants, toute une vie quoi, toute une histoire et en fait le choix il a été énorme parce que le choix ça a été de se dire bah je repars un peu à zéro parce qu'en fait entre guillemets j'accepte un job énorme dans une entreprise, dans une boîte américaine qui est Calvin Klein alors que moi ça fait 12 ans que j'étais consultante donc ça veut dire que je dois professionnellement passer du consulting à une entreprise quoi, être salariée dans une entreprise américaine en plus, avec une langue que je parle mais je suis pas non plus née aux États-Unis donc voilà et puis faire ce saut aussi avec ma fille sous le bras et mon mari qui reste à Paris parce qu'il a son business, il est entrepreneur et donc il fera des allers-retours et aussi se séparer de mes beaux-enfants, enfin de toute ma famille, mes amis, enfin voilà. Donc c'est un choix comme on fait quand on doit partir ailleurs, mais là en plus, sachant que je pars un peu pleine de challenges dans les bras. Mais je crois qu'en fait ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand New York frappe à la porte, bah on est obligé de l'ouvrir la porte et que là j'ai pris conscience de la notion du, en fait, pas du courage, mais de se dire que, en fait, voilà, pour avancer dans la vie et évoluer, il fallait oser et il fallait un peu dépasser ses peurs parce qu'une fois qu'on les dépasse, on grandit et j'avais besoin de ça et j'avais besoin d'apprendre encore. Et c'est pas que professionnel, je pense que c'est aussi un travail personnel de femme aussi, de se dire même le fait de me retrouver un peu seule, sans mon mari au quotidien, c'est aussi se redire mais qui je suis, est-ce que je peux, mais des choses mais du quotidien. Ouais, mais ça pose plein de questions. C'est voilà, clair. C'est récupérer une carte, un numéro de sécurité sociale, la banque, faire son quotidien seul dans un pays, une ville. Alors c'est l'Amérique, c'est New York, évidemment on connaît très bien, mais il y avait beaucoup de challenges et je crois que j'avais besoin de sortir un peu de la fameuse zone de confort. Et j'ai appris énorme dans le process de la peur et du dépassement de la peur jusqu'au saut de l'ange et être concrètement dans l'autre pays et s'apercevoir qu'en 24 heures, j'avais l'impression d'être chez moi et que en 24 heures, même dans l'entreprise, chez Calvin Klein, j'avais l'impression d'avoir été dans un contexte d'entreprise toute ma vie à manager des équipes. Et d'un seul coup, effectivement, on regarde derrière soi, on se dit mais pourquoi j'ai eu si peur au ventre pendant 6 mois? Heureusement que j'ai dit oui quoi. Donc voilà, c'était un peu long pour vous raconter pourquoi je suis venue. Ah non mais vous savez, moi j'aime bien un peu de longueur, donc ça me fait plaisir. Non mais c'est C'est drôle parce que je pense que c'est un challenge, effectivement. C'est pas, c'est New York, donc on se dit c'est balisé, mais en même temps, c'est une ville où tout le monde est anonyme, c'est immense, c'est un autre pays. Et puis, comme vous disiez, vous êtes toute seule. Enfin, c'est un tel changement de vie que je peux imaginer que ça faisait peur. Et du coup, vous avez l'air de dire que ça s'est hyper bien passé et que vous avez appris plein de choses sur vous. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous dans cette période ? Ah là là, mais je pense que j'ai pris confiance encore, en fait, je pense que vraiment, j'ai fait tout un travail, je pense, toute ma vie sur cette prise de conscience, cette conscience de la confiance, etc. Alors que j'ai un parcours qui, je pense, fait preuve à chaque fois de pas de prise de risque, mais d'audace énormément, voilà. Ouais. On se dirait, c'est bien une personne qui a confiance, c'est Nadège Winter, quoi. Voilà, et c'est vrai que, et pourtant, je pense que j'ai pris peut-être tout le temps, en fait, des risques parce que je pense que j'ai mes tripes et mon intuition qui prédomine chez moi, et donc j'avance en m'écoutant beaucoup, en écoutant mon ventre, et parce que je pense qu'en fait, à chaque fois, c'est une façon pour moi de me rassurer, de me rendre compte que finalement, j'ai une force intérieure et pas que moi, en fait, qu'on a la capacité vraiment de se surprendre et de réussir et de faire beaucoup de choses en osant. Donc, en fait, je crois que ça m'a redonné, en fait, cette confiance et cette prise de conscience que, on avait un potentiel énorme, que je pouvais effectivement, alors en plus professionnellement, basculer du consulting, de l'indépendance totale corporate, et finalement il y avait pas d'enjeu plus que ça, quoi. Quand on est construit avec un cerveau plus ou moins bien en place, on comprend les enjeux du management, de la responsabilité, de la hiérarchie, des objectifs d'un gros groupe, et du coup ça devient un jeu. Et en fait, je crois que j'ai pris confiance, et je pense que j'ai intégré l'idée aussi que finalement fallait être un peu plus léger, les choses n'étaient pas si graves que ça, et que alors c'est encore une fois, c'est un boulot de tous les jours, mais c'est se rendre compte que finalement c'est peut-être un jeu, savoir en fait s'adapter comme un caméléon, de profiter et de jouir de ce que on va découvrir, et pas s'en faire des montagnes, parce qu'en fait se faire des montagnes, c'est s'arrêter et c'est s'empêcher de vivre des expériences nouvelles, quoi. Mais bon, c'est facile à dire qu'à faire toujours. Ouais, depuis 20 ans, donc c'est ce chemin-là qui m'amène un peu à comprendre un peu tout ça, mais ouais, voilà. C'est hyper intéressant, et je vous remercie pour ces partages, parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent, et moi-même, qui sommes dans ce cas, en fait, de parfois se mettre un peu des barrières, alors que il suffit de franchir le cap, et que finalement ça se passe bien, et qu'on peut avoir peut-être un peu plus espoir dans la vie, quoi, tout simplement. C'est d'ailleurs une idée que j'ai l'impression que vous partagez, parce que quand j'ai fait mes petites recherches sur vous, je fais pas mal de recherches, j'ai vu que vous aviez dit dans un article, alors je me rappelle pas dans quel magazine c'était, mais que globalement, la vie, vous avez pas mal porté, et je le dis au niveau positif, c'est-à-dire que vous aviez vraiment su saisir des opportunités qui se présentaient à vous, et qui avaient finalement un peu presque pas un destin, mais on va dire une espèce de, et sans rentrer dans des détails métaphysiques, mais presque, voilà, une méthode, Nadège Winter, où par la force des choses, vous en faites une rencontre, vous discutez, et en fait il y a une idée qui arrive, et là vous rentrez sur un projet. Est-ce que vous pourriez m'en parler, peut-être aussi avec des exemples, un exemple le plus parlant dans ce domaine? Je pense, alors une méthode, j'aimerais bien la connaître, mais en fait je me suis d'ailleurs tout le temps un peu interrogée, parce que on m'a quelquefois questionnée, vu que j'ai ce parcours atypique, en fait, et je pense que vous en parlez aussi souvent dans Le Gratin, mais qui correspond peut-être à une réalité, en fait, d'aujourd'hui, et des carrières, entre guillemets, je sais pas si on peut employer ce mot aujourd'hui, mais la verticalité, en fait, chez moi, elle n'existe pas. C'est sûr que en fait c'est encore une fois, je pense que j'ai construit vraiment mon histoire sur de l'intuition, sur un ressenti vraiment très très fort, à des moments de me dire je suis plus à ma place, je sens qu'il faut que je bouge. Alors donc peu importe finalement ce que je suis en train d'écrire, parce que non, je suis pas en train de m'installer pendant 20 ans dans une société, non, je suis pas en train d'essayer de passer de tel poste à tel poste d'une façon verticale, mais en fait c'est plutôt l'enrichissement que j'ai au quotidien qui m'habite et qui me guide, en fait. Ça, je l'ai toujours beaucoup écouté. Et je suis désolée de vous interrompre, Nadège, mais ça, enfin, c'est quand même déjà sacrément courageux. On parlait de courage au début, enfin, quitter quelque chose qui se passe bien, ou inconscient à la rigueur, mais en tout cas, vous écoutez votre instinct et avant, entre guillemets, que les choses se ternissent, vous savez passer à autre chose pour vous. Est-ce que vous pourriez me parler d'une fois où ça serait arrivé? Mais surtout, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment vous avez pris la décision. Parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui sont dans ce cas de figure, qui se disent « Tout se passe bien sur le papier, la boîte, elle est géniale, j'adore ce que je fais, mais je sens que, voilà, il faut que je passe à autre chose. » Et peu de gens le font, de franchir ce cap. Alors, je pense que... Il y a une forme d'inconscience, il y a une forme, mais vraiment, je pense que ça dépend des caractères et c'est en fait entre la raison et le cœur et je pense que j'ai une partie. Alors encore une fois, on n'est pas aussi binaire, aussi clair. Enfin, c'est vrai que je suis quelqu'un de très anxieux aussi, qui me pose beaucoup de questions, etc. Mais en même temps, j'ai ce ventre qui me parle beaucoup et donc je pense que vraiment c'est ce qui prédomine et c'est ce qui fait que il y a un moment donné je sens que ça va pas et j'avance. Alors je sais qu'au fond de moi il y a une sorte de chose inconsciente qui me dit que je vais bouger, mais après effectivement c'est soit le hasard, le heureux hasard de rencontres, de discussions au même moment qui s'opèrent avec des gens et d'un seul coup quelque chose s'enclenche, ou c'est moi qui suis vraiment proactive et qui commence un peu à regarder à droite, à gauche, à sortir des espaces où mon cœur repalpite de nouveau et puis je mets des choses en œuvre concrètement pour rencontrer les bonnes personnes, déclencher des histoires, etc. Et donc, pour donner des exemples concrets, il y a eu le premier passage en fait... il y a le premier passage, c'est finalement, j'ai fait des études de droit pour rassurer mes parents. Je savais au fond depuis toute petite que j'avais envie de plutôt dans des domaines artistiques, créatifs. Alors quand j'étais petite, les souvenirs c'est entre je me voyais un peu dans le domaine de la mode, styliste ou le marketing, alors que c'est des notions que je connaissais pas bien, mais voilà. Ou alors sauver la planète, m'engager dans des œuvres de charité. Enfin voilà, j'étais dans ces deux trucs. Voilà, mes parents étaient complètement angoissés à l'idée que je fasse des études d'art, que j'arrivais même pas à identifier. Je pense qu'en fait, quand on a 15 ans, enfin voilà, 17 ans, on fait pas trop. Et donc voilà, j'ai eu effectivement, j'étais incapable de leur dire oui, je vais faire histoire de l'art ou beaux-arts ou je sais pas trop quoi. Avec en plus ce syndrome d'imposteur où j'étais non mais de toute façon je ne suis pas une artiste donc on va pas se lancer là-dedans. Donc j'ai fait du droit mais tellement sans passion, contre-cœur, évidemment ça fonctionnait donc j'ai fait ma maîtrise et puis après la maîtrise, je me suis dit bon alors comment raccrocher les wagons avec ce qui finalement m'habite quoi, la musique, le monde artistique et tout. Donc, je commençais à m'inscrire en 3e cycle de propriété littéraire artistique, de double cursus, histoire de l'art et tout. Et puis, mais alors, d'un seul coup, je sais même plus ce qui s'est passé, mais j'ai eu un flash. Je me suis dit, mais jamais je peux pas rester enfermée dans un bureau avec le code civil, le truc, le machin. C'est pas possible, quoi. Et là, j'ai eu le courage de dire à mes parents, stop. En fait, soyez rassurés. Je continue ma route. Je sais où je vais, mais j'arrête ces études de droit, etc. Et en fait, j'avais envoyé mon CV à plein de maisons de disques, des maisons de production de vidéoclips, voilà, des domaines qui m'intéressaient, quoi. Et j'ai eu des offres de stage. Et j'ai commencé comme ça. En fait, j'ai bondi, donc j'ai arrêté le droit et j'ai commencé des stages dans des domaines que je ne connaissais pas, en étant attachée de presse dans un petit label de musique, productrice, enfin stagiaire dans une boîte de prod de clips, et puis un stage qui s'est transformé en un premier job et qui était dans une maison de disques de label Virgin. Donc c'était la maison de disques de IAM, Neneh Cherry, tout ça. Enfin, bon bref, c'était l'époque. En plus Virgin à la belle époque, hein, quand même. Tout à fait, les Daft Punk et tout. Enfin bon bref. Là, et donc je démarre en fait voilà en stage dans cette maison de disques. Au commercial, bon, et ça se passe bien. Et du coup, on me propose un job en fait qui est créé en fait à ce moment-là pour moi au marketing. Donc évidemment, je sais même pas ce que c'est en fait. Et donc j'ai appris comme ça. J'ai eu la chance, donc là vraiment c'est la chance d'avoir ce stage, d'être entourée de personnes qui peut-être ont décelé chez moi quelque chose d'intéressant. La boss de label, c'était une femme, c'était Laurence Touitou. qui m'a donné, en fait, tendu la première perche, quoi. Et donc, je suis restée 5 ans et j'ai appris un métier et du marketing dans la musique. Et voilà. Donc, il y a eu cette première rupture qui a été les études, et d'un seul coup, je décide de basculer dans la musique. Et au bout de 5 ans, dans la maison de disque, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Enfin, on me demandait beaucoup au marketing d'être dans des chiffres, dans des choses très rationnelles. Ça commençait vraiment, l'artistique, était pas forcément ce qu'on recherchait le plus sur des label managers, etc. Et ça me manquait. Et donc, en fait, j'ai vraiment fait une bascule. C'est-à-dire que d'un coup, je me suis dit qu'il fallait que je me rapproche de l'image, et donc je suis partie et j'ai recontacté les maisons de production que je connaissais, donc Partisan, Midi Minuit à l'époque, c'était la grosse maison de production française de Michel Gondry, donc IAM, Daft Punk, etc. Je lui dis génial, je vais aller travailler dans l'image dans une boîte de prod. Donc j'ai eu la chance, encore une fois, qu'en face de moi on me dise ok, viens, mais je dois réapprendre quand même un métier. Mais j'y vais, et donc au bout de quelques temps, je m'aperçois que c'est rebolote, je dois mettre des chiffres dans des cases, et puis c'est pas évident, en fait. Il y avait quand même ce truc où je dois être une sorte de productrice sans avoir l'expérience, donc une sorte de simuler plus ou moins que je sais, quoi. Mais c'est quand même fou quand on y pense. Je suis désolée de vous interrompre, c'est pas fou qu'ils vous aient fait confiance, parce que je pense que, la preuve est, vous aviez non seulement le potentiel, mais en plus ça a bien marché. Mais c'est fou qu'ils aient eu cet instinct de vous confier quand même des responsabilités aussi importantes, que ce soit pour Virgin, si j'ai bien compris, vous aviez quand même la responsabilité du label à l'international, quoi. Donc c'était quand même. J'avais pas cette responsabilité. Il y avait un directeur au-dessus de moi. Il y avait vraiment cette notion de mentoring aussi. Je pense de donner la place à quelqu'un qui est en train d'apprendre et qui, a priori, avait pour eux les capacités et quelque chose à donner, effectivement, à l'entreprise. Et donc, mais c'est vrai que c'était vraiment de la pâte à modeler. C'est partir de pas du tout la formation d'études pour ça. Et j'ai peut-être que, je sais pas, peut-être que cette époque-là, il y avait une capacité aussi pour l'entreprise à être surtout dans le monde artistique, peut-être, parce que finalement dans ces milieux il n'y a pas d'études royales, en fait. Laurence Touitou, qui était donc la directrice du label, elle avait fait des études d'architecture, elle avait travaillé dans la télé. Je pense que c'est des milieux quand même qui permettent aussi, dès qu'on sent chez quelqu'un une force de travail, une sorte d'agilité, de rapidité de réflexion, une sensibilité, etc. À ce moment-là, en fait, je crois qu'on laisse la chance, la possibilité à cette personnalité de s'exprimer. Donc, je pense que effectivement, dans un contexte monde des assurances, de la banque, où il faut le CV fait plus foi, alors que là, en fait, on fait appel vraiment aux tripes, à la personnalité des gens et à la sensibilité. Et après, effectivement, il faut c'est bingo quand on associe ça à une capacité de fabriquer de la stratégie, d'avoir un objectif business, voilà. Mais c'est pour ça, je pense qu'il y a cette possibilité dans ces milieux. Et la prod, je pense que c'est encore une fois, c'est aussi la rencontre avec des chefs d'entreprise quand même très malins. Lui, à ce moment-là, c'est se dire que je viens du monde de la musique, qui sont finalement les clients des boîtes de prod de vidéo, et que du coup j'ai un accès aux maisons de disques pour aller présenter les réals, etc. Donc il y a tout ce truc qui se combine, et tout ça fait du sens. Mais c'est vrai que c'est fou de se dire que voilà, je savais pas ce que c'était que produire un clip, et que je me retrouvais, alors j'étais pas en première ligne, j'avais en plus ma meilleure amie qui était aussi là, etc. Donc il y avait tout un contexte qui faisait que c'était plutôt ça pouvait bien se passer. Mais pour moi, il y avait quand même des moments, c'était dur de se dire, je repars, à réapprendre, à pas forcément maîtriser, être sur une autoroute, tranquille. Il faut quand même que je réapprenne, quoi. Et ben, au bout d'un an, donc quand au bout d'un an dans la maison de production, je m'aperçois que finalement, l'artistique est pas forcément là, en tout cas, au rendez-vous. Et à ce moment-là, donc, j'entends parler de l'ouverture prochaine du centre d'art Le Palais de Tokyo. Donc, qui était en préparation d'ouverture. On en parlait très, très peu, je pense, à l'époque. J'avais vu passer un article. Et surtout, je vois passer une annonce dans Libé qui recherche la direction de communication du nouveau centre d'art contemporain, le Palais de Tokyo, avec un profil qui est évidemment, mais alors pas du tout le mien, quoi. Hein, idéal, tout ça, bon bref. Oui, parce que c'est quand même, enfin, c'est maintenant on connaît, donc à l'époque c'était naissant, mais c'est quand même une institution. Enfin, je veux dire là, on est carrément dans le public, quoi. La communication qui était derrière, enfin, il y avait tout un truc et vraiment le descriptif, c'était pas moi. Mais j'avais lu un article qui parlait du projet et la façon dont ils en parlaient, je me disais mais non mais c'est là où je veux travailler, c'est un centre d'art qui va être transdisciplinaire, la mode, la musique, l'art contemporain, etc. Une sorte de PS1 qui était le lieu emblématique de New York à l'époque. Et donc voilà. Et donc je, mais aucun doute, je me dis c'est pour moi, c'est mon histoire. Et donc première fois de ma vie, je postule, j'envoie mon CV. Je crois qu'ils en ont reçu 400, enfin bon bref. Donc bah j'ai fait partie du lot des finalistes. Donc c'est la première fois aussi, plein d'entretiens. Je crois qu'il y avait une grosse agence de pub qui était partenaire, enfin qui les aidait, etc. Donc j'ai fait à 4-5 entretiens et j'étais en finale. On était 2 et je crois qu'à la fin, donc j'avais moi qui était complètement atypique. Et une autre personne qui, pour le coup, avait vraiment le profil... Ouais, rentrer dans le cadre, quoi. Voilà, avec qui avait fait des decks en PowerPoint et tout, je sais pas ce que c'était, enfin bon, bref. Et pour nous choisir, je m'en rappelle qu'il nous avait demandé de développer une stratégie d'ouverture, un document, en fait, voilà, du palais. Et bah, j'ai mis, en fait, toutes mes tripes, quoi, et puis toutes mes intuitions. Et puis bah, encore une fois... Je vais encore reparler de chance, mais il s'avère que les 2 directeurs du centre, qui sont Jérôme Sens et Nicolas Bourriaud, avaient une vision très disruptive aussi du système. Ils voulaient monter une équipe un peu fraîche, avec des esprits pas forcément issus du monde de l'art contemporain pur, mais voilà, ils avaient une capacité d'ouverture. Et moi, j'arrivais avec une culture de la musique, de la street culture aussi, du skate, enfin plein de trucs, etc. Et pour moi, c'était vital que ça soit présent au Palais de Tokyo. Et donc, bah, ça a marché. Et je suis devenue directrice de communication du Palais de Tokyo. Alors, rebolote, hein, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Incroyable, quand même. Voilà, et donc à la fois j'ai géré le mécénat avec un des directeurs et des événements incroyables quand même qu'il y avait aussi. Ouais. Ça, c'était quand même les événements du Palais de Tokyo, c'était quand même une référence, je veux dire, dans le monde de la culture, pour être assez, justement, ce que vous dites, disruptif, complètement innovant, hyper créatif. Tout à fait. Non, c'était le lieu à l'époque, donc c'est la préhistoire, hein, mais c'était le lieu vraiment où on se disait, voilà, à Paris, c'était une époque en plus où Paris bougeait beaucoup, en fait, il y avait vraiment, ça devenait un vrai bouillon culturel, en fait, il se passait beaucoup de choses à Paris, le Palais de Tokyo était donc vraiment aussi la symbolique de cette renaissance, de cette modernité, effectivement. Donc l'art contemporain va croiser la musique, la mode, la fête, la nuit. Enfin, on voulait monter un club dans le Palais de Tokyo. Enfin, il y avait plein de choses. Donc c'était hyper excitant. Et donc l'équipe, de toute façon, qui avait été montée. Alors le Palais était une institution et c'est une institution semi-publique, semi-privée. Donc on dépendait beaucoup du ministère de la Communication et de la Culture et des fonds privés. Donc moi j'ai appris à jongler aussi d'un seul coup dans un univers, voilà. Et non, c'était incroyable. J'avais une question à ce propos, je ne sais pas si c'est pertinent, vous allez me dire, mais du coup, visiblement, peut-être que vous n'êtes pas une artiste, je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes quelqu'un d'a priori très créatif. Et être créatif, c'est bien, mais ce n'est pas toujours simple de faire accepter ses idées. Et là, avec le Palais de Tokyo, et puis on pourra en reparler aussi après avec Colette, et même là, maintenant que vous travaillez chez Calvin Klein, finalement, ce n'est pas si évident de les faire accepter ses idées, surtout quand il y a un cadre. Avec le Palais de Tokyo, ben, vous l'avez dit à l'instant, hein, en plus, il y avait ce côté semi-public qui fait que je peux imaginer qu'il y avait des sacrées contraintes et des personnes parfois en face qui ne devaient pas trop aimer le disruptif. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette expérience, peut-être au travers d'un cas où ça vous est arrivé d'être face à un blocage et de voir comment est-ce qu'on peut faire quand on est dans une situation comme ça pour réussir à convaincre de finalement de faire un peu un acte de foi aussi, parce que le créatif, souvent, il a une intuition, il faut qu'il la fasse accepter, mais c'est pas évident justement parce que c'est pas forcément sur des chiffres que ça va se jouer. C'est pas facile comme question, mais je vous pose ça parce que moi-même, ça m'arrive assez souvent de devoir convaincre des personnes et j'ai pas d'éléments autres que mon intuition et je trouverais ça hyper intéressant d'avoir votre retour là-dessus. Alors, c'est marrant parce qu'évidemment, j'arrive pas là à trouver un exemple concret du process, en fait, et puis pouvoir me mettre en l'état de... Concrètement, en général, de toute façon, quand j'ai une intuition, effectivement, et une vision, donc j'ai appris avec le temps à la formuler et à trouver les outils et à mettre en place une sorte de présentation qui utilise le langage des gens que je vais avoir en face de moi, plus ou moins comprendre en fait que il y a une bonne idée, mais il y a aussi derrière un potentiel business ou etc. Qui existe. Oui, une réflexion stratégique un peu. Quoi. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui une belle idée, elle suffit pas. Il faut effectivement qu'elle résonne d'un point de vue business, même si c'est pas forcément l'objectif premier et c'est un objectif à moyen ou long terme. Et en fait, il faut quand même que la façon dont on va le présenter, ça passe aussi quand même par cet objectif-là final, et que l'investissement qui va être mis dans la mise en place de cette idée, en fait, soit rémunéré entre guillemets à un moment donné, c'est rémunéré par une audience, par financièrement ou quoi que ce soit. Donc ça, je l'ai appris aussi avec le temps. Alors après, je suis un peu un pitbull, c'est-à-dire que quand j'ai vraiment une idée, je ne dis pas. Et du coup, il y a eu l'exemple de Twenty Magazine, en fait, que j'ai lancé avant de partir à New York. Donc, j'avais eu vraiment cette intuition d'un seul coup, il y a 6 ans, peut-être, à force de parler avec les clients, de me rendre compte qu'il y avait vraiment ce sujet sur la Gen Z, sur la nouvelle génération, et tout le monde qui était en questionnement constant de « mais que font-ils, que mangent-ils, que veulent-ils, etc. » Et moi, j'adore aussi, en plus, j'ai toujours travaillé sur des projets de mise en avant du talent, de la relève, etc. Et là, je me dis « mais... » il faudrait développer un projet, une sorte de plateforme digitale ou 360 degrés, mais qui puisse en fait donner la parole à cette génération, plutôt que de s'interroger pendant des siècles sur ce qu'ils veulent et faire parler des experts de 40 ans sur cette génération. Autant aller à la source et les voir. Et donc, j'ai développé un deck avec ma vision. Et du coup... Alors moi, je suis pas une marketeuse entre guillemets, hein, je suis plutôt une créative communicante, donc j'ai pas forcément tous les outils ni le langage parfait, mais j'ai monté quand même un deck de plusieurs slides et j'ai commencé à frapper à des portes, grosses agences de communication à Paris, gros groupes médias, etc. Et puis après, j'ai eu la chance, encore une fois sûrement, à un moment donné, de rencontrer une personne qui est devenue mon associée, Delphine de Cancode, qui dirigeait l'agence Étoile Rouge, et on s'était vu. Alors, je lui avais envoyé un email un jour parce qu'on m'avait dit faut que tu la rencontres, vous êtes pareil, vous avez des trucs à faire, etc. Et je lui avais renvoyé un email, j'aimerais juste qu'on boive un café, qu'on se rencontre. Et elle m'avait donc répondu immédiatement, elle me dit mais j'adorerais, etc. Et donc on se voit, et au bout des 20 minutes de discussion ou de la demi-heure, avant de partir, limite je me lève et je dis au fait j'ai un projet. Je vous en parle comme ça, voilà. Et là, elle me dit, mais j'adore, je veux en être, quoi. Et en fait, ça s'est fait comme ça. En fait, on a continué la discussion ensemble avec elle, son expertise de chef d'entreprise, d'agence, de communication. On a repondu un deck et puis on a développé, en fait, une sorte de business model. On a ensemble cherché des associés, des partenaires pour mettre de l'argent qu'on n'a pas trouvé. Mais on a lancé l'aventure et voilà. Donc je sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, quand on a une intuition forte, faut pas lâcher, mais il faut pas lâcher quoi. Enfin moi je pense qu'il y a vraiment ce sujet aujourd'hui encore là, à New York, je suis en train d'essayer de monter un projet de charité, caritatif. J'avais déjà eu l'idée il y a 2 ans, je l'avais laissé tomber, là ça remontait parce que je suis à New York. Je suis dessus, je frappe aux portes, je lâche pas, quand je sens qu'il y a quelqu'un qui va être aligné avec ma pensée, j'y vais, et je pense que là, j'ai dû envoyer mon deck et parler à 54 personnes, quoi. Et je suis en train de parler avec quelqu'un qui adore le projet et qui veut m'accompagner et qui est une personne, voilà, qui a une résonance très forte à New York, à la tête d'un gros média, etc. Et donc, je me dis, voilà, peut-être que ça ne fera pas le jour, mais j'ai cette détermination, cette conviction, et je lâche pas, quoi. Donc, oui, je pense tant que vous n'avez pas trouvé la personne où vous lâchez pas, quoi. Ouais. Ouais. C'est beau, quoi. Enfin, franchement, c'est assez riche de voir que finalement, on peut avec une idée si on s'accroche et qu'on va frapper à X centaines de portes, bah on peut rendre son projet réel, parce que parfois on peut pas faire les choses tout seul, hein. Et je pense que c'est un beau message d'espoir pour beaucoup de gens. J'aimerais parler, si ça vous va, Nadège, de Colette, parce que quand même, c'est là aussi un monument. Comment vous arrivez chez Colette? Alors, donc ça, pareil, c'était au bout de 2 ans au Palais de Tokyo. Je commençais à me dire que, en fait, les choses n'allaient pas assez vite pour moi, parce que j'étais dans une institution, encore une fois, semi-publique et privée, avec beaucoup de contraintes pour avancer, en fait. Ça n'a pas la rapidité, évidemment, et l'agilité d'une entreprise privée. Peut-être que j'avais fait aussi le plus beau moment, le plus beau morceau pour moi, en tout cas, du palais. En tout cas, vraiment me concernant moi, c'était l'ouverture, de préparer l'ouverture, de faire l'ouverture, donc d'avoir ces 2 ans. Donc peut-être que j'ai ce côté un peu enfant gâté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand mon jouet ne me satisfait plus, bon bah je passe à autre chose. Donc j'étais dans je sentais en fond de moi, ça y est, ça commence, il faut que je cherche, je réfléchis, qu'est-ce que je vais faire, donc. Je commençais à parler rebolote avec des maisons de disques sur des projets pour entrer en tant que directrice artistique image, donc un nouveau métier à l'intérieur des maisons de disques, etc. Mais bon, je me disais non, retourner en arrière, je sais pas. Bon, bref. Et à ce moment-là, Sarah Andelman, qui est donc l'acheteuse et la cofondatrice de Colette, que je connaissais un peu, on s'était parlé plusieurs fois, enfin voilà, on s'appréciait. Mais on ne se connaissait pas plus que ça. Et elle m'appelle et elle me dit, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Parce que ouais, je cherche, en fait, son attachée de presse de l'époque, Victoire de Tayac, partait au bout de 5 ans. Donc Colette, le magasin, avait 5 ans à ce moment-là. Et elle cherchait une remplaçante, elle cherchait une nouvelle attachée de presse. Et je lui dis, mais moi, je suis pas attachée de presse, en fait. Mais je lui dis, mais alors, par contre, Colette, évidemment, j'ai des étoiles dans les yeux. Et je lui dis, mais je rêverais de développer une sorte de rôle de communication plus large, parce que je pense qu'il y a tellement de choses à raconter, etc. Et en fait, la chance, c'est d'être face à quelqu'un qui développe un business dans une structure plutôt familiale, très petite, qui est une entrepreneuse, qui, en fait, elle aussi écoute, mais beaucoup, ses guts, ses tripes. Et en fait, on s'est parlé. J'ai rencontré Colette, la maman qui était la cofondatrice. L'entretien, il a duré 10 minutes. Et en gros, elle m'a fait confiance. Et en fait, ce que je lui ai raconté, qui venait encore de mes tripes, en lui disant, en fait, moi, ce que j'ai envie, c'est... Quand je vois Colette, c'est un magazine. Je vois la couve, c'est la vitrine. À l'intérieur, c'est des pages avec toutes les rubriques. Et je pense qu'il faut... développer plein d'idées de communication pour que on accompagne en fait ce que tu fais en tant qu'acheteuse, programmatrice du magasin, mais pour développer l'aura, le mindset, la philosophie de Colette au-delà de sa fonction de magasin. Enfin, j'avais vraiment ce truc, je me dis, faut raconter des histoires, quoi. Et c'est pas que envoyer la paire de Nike de Godas à des journalistes pour faire du shopping et faire des sorties dans la presse, c'est aussi Colette, c'est bien plus puissant que ça. C'est monter des événements, faire des fêtes dans le monde, en faire une marque, quoi. Voilà. Et donc c'était vraiment, c'était vraiment me dire, il y a un espace, mais une autoroute créative en termes de communication, au-delà du talent d'acheteuse de Sarah et de directrice artistique. C'était vraiment me dire, voilà, on peut inventer plein de choses. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et en fait, je suis restée 7 ou 8 ans à fabriquer, en fait, ce rôle de direction de communication, entre guillemets, qui, par rapport à un rôle de direction de communication dans un gros groupe LVMH, n'a aucune résonance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de budget, c'est, voilà. C'est de la débrouille, mais avec une notoriété pourtant énorme. Donc, c'est ça. Mais voilà. C'est-à-dire que j'ai une clé qui ouvre toutes les portes, hein, la clé Colette. Et puis, en face de ça, bah, des idées. J'allais voir, en gros, c'était, j'ai une idée, je vais voir Sarah, je dis, tiens, tu voudrais pas qu'on fasse des fêtes avec des cours de danse, des trucs, on ferait ça tous les mois, machin. Et puis, il me dit, bah, ouais, ok, cool. Et donc là, la machine se met en route et c'est trouver les moyens, trouver l'argent pour le faire. Concrètement, là, ça a été aller voir Nike, qui devient sponsor d'un événement régulier et ça génère, c'était les Colette Dance Class à l'époque, ça a généré, évidemment, et de la presse, et de la désirabilité, et les gens en parlent encore aujourd'hui, enfin, je sais qu'on rigole, etc. Mais voilà, c'est, d'un seul coup, ouais, c'était vraiment ce rôle de storyteller, de communicante. C'est une question qui me passionne, moi, le storytelling, et de toute façon, général, le fait de raconter des histoires. Et du coup, je sais pas si c'est indiscret, hein, tu me dis, mais c'était quoi l'histoire que t'as voulu raconter avec Sarah chez Colette, pour Colette, quand t'es arrivée ou au fil des années? Est-ce que tu pourrais nous dire, parce que je pense que parfois on parle de concepts, tu vois, comme le storytelling, le marketing, mais pour les gens, ça reste assez flou. Du coup, c'est quoi une histoire? C'est quoi une bonne histoire? Bah, encore une fois, je pense que ce que j'ai vu moi dans Colette, c'était pas un magasin. C'était déjà, c'est à part de là, c'est que pour moi c'est une boîte, enfin une sorte de réceptacle de créatif, d'inspiration, de pour les gens en fait. Il y avait les gens venaient chez Colette, des fois ils n'achetaient rien, ils regardaient. C'est presque un musée quoi, enfin pas un musée parce que c'est plus vivant, mais c'était plus un centre d'art quoi. Ouais. Tu vois, tu feuillettes les magazines, tu regardes, tu sens les tendances, etc. Donc c'était une sorte de, déjà pour moi voilà, c'était, je pense que je l'ai sorti de sa fonction, le magasin, en me disant voilà c'est un magazine, c'est donc on va le feuilleter. Et puis j'étais tellement en admiration aussi, je pense, du travail de Colette, de Sarah, qui avait vraiment cette idée et qu'elle faisait de façon naturelle et qui de toute façon existait de facto. C'était, c'est à Paris, mais en fait il y a une résonance internationale. Donc, comment faire aussi pour que continuer de créer du désir et finalement qu'il y ait de l'achat et des gens qui viennent du monde entier chez Colette, quand Colette est juste rue Saint-Honoré, puisque Colette refusait de s'installer ailleurs. Il y avait on a monté des pop-up stores, etc., mais il n'y avait qu'un endroit. Et donc, pour moi, ça passe par des histoires de communication. Et du coup, très sincèrement, il n'y a pas eu de stratégie. C'était vraiment tout le temps. Enfin, limite, si je me réveille la nuit, j'ai un flash. Mais vraiment, hein, c'est et qui est nourri par l'air du temps, qui est nourri par ce que je bouffe tous les jours d'inspiration. Mais ça a été donc ces soirées, ces Colette Dance Class, ça a été le magazine Le Colette d'un seul coup, parce que alors là j'étais plutôt face à une problématique, parce que Colette il y a 300 000 produits tous les jours qui arrivent, une incapacité d'anticipation parce que c'était Colette et c'était Sarah aussi, elle achetait, elle faisait son travail d'acheteuse, mais nous à la com on était au courant d'un 1/10 des trucs, ou alors elle arrivait, elle disait bah voilà pour la saison prochaine il y aura ça, 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 mais des trucs qui arrivaient tout le temps. Et en fait je me disais mais il faut qu'on rationalise, parce qu'en fait déjà, soit on va saturer les journalistes de nos infos, on va rater des moments importants, etc. Et donc, j'ai essayé de structurer d'un seul coup. Je me dis, mais si on montait un magazine, un trimestriel, dans lequel on arriverait déjà, nous, à nous forcer à récupérer de l'information et à le distribuer aux journalistes pour qu'elles aient un peu d'anticipation sur ce qui arrive. Mais ce magazine, en fait, c'était pas juste un accumulation de communiqués de presse. Je le voyais comme un vrai magazine. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, avec Sarah, on a développé, on a fait une régie, on a acheté, on est allé voir des marques pour prendre des pages de pub, c'est hyper malin ce truc. Et en fait, on a chaque numéro, on allait chercher un graphiste, un directeur artistique qui faisait la mise en page. Donc ça devenait une petite pièce un peu collector en fait de graphisme. Loïc Prigent a travaillé aussi sur de l'écriture, avec moi j'écrivais aussi, enfin bon bref, mais il y avait une patte. Et le magazine est devenu une sorte de petit rendez-vous presque à collectionner dans sa... Ouais, c'est devenu un produit presque de Colette, quoi. C'est ça qui est génial. Et donc, voilà, il y avait la fonction, là, il y avait l'outil de com, et il y avait aussi, en fait, toujours, en fait, je suis chez Colette, je suis pas chez Walmart, ou voilà, il faut que l'outil, il résonne avec l'état d'esprit de Colette, quoi. Donc, c'était ça tout le temps en fait. C'était encore une fois, c'est une idée, une intuition, un contexte de business quand même tout le temps en fait. Et je crois que c'est ça que j'aime en fait, c'est marier la créativité et la fonction, l'utilité en fait. Et les idées qui fonctionnent, je crois, c'est celles qui d'un seul coup réunissent vraiment les deux le combo inspirationnel et efficacité quoi. Et voilà. Et là, c'est face à un besoin, à un vide, ou un manque d'outils d'un seul coup qu'on a développé ça. Et à l'époque, on a développé la newsletter aussi, parce que le digital était quand même à l'état zéro. Sarah a développé le site, moi j'ai développé la newsletter. Et voilà. Et donc oui, il y a eu tous ces outils qui partent d'un besoin peut-être, et qui d'un seul coup trouvent une correspondance créative qui résonne aussi avec l'identité de la marque, quoi, l'ADN de la marque. Ouais, un alignement. Et dans ce genre de cas, t'es resté assez longtemps quand même, 7-8 ans, ce que tu disais précédemment. Il y a une pression, je trouve quand même, enfin moi je m'imaginais qu'il y a une pression sur le renouvellement, sur le fait de devoir se renouveler, quoi, parce que c'est le lieu cool par excellence. Ouais. Et du coup, tu te dis comment tu fais pour continuer à surpasser ce qui a été fait avant. C'est hyper dur. Est-ce que ça a été pour toi une pression, justement, au niveau de la communication ? Non, sincèrement non, parce que je pense que c'est... j'étais portée par Sarah qui, elle-même, ne cessait de se réinventer. Alors, le magasin, c'est pas réinventer 1000%, mais en fait il y avait de la nouveauté, de l'actualité, le monde créatif et de produits bouge aussi en même temps, donc voilà, c'était une sorte de cercle vertueux où les maisons, les marques évoluent, Sarah d'un seul coup a des nouveaux coups de cœur et donc des nouvelles tendances qui arrivent, etc. Et donc après je pense qu'en fait moi, comme il y avait une sorte d'ouverture et de capacité à penser à 360, c'est se dire que d'un seul coup, il y a un format sonore, un format vidéo, un format événementiel. Donc, c'est se réinventer. Je crois que même à l'époque, j'avais eu l'idée de monter un télé-shopping à l'intérieur du magasin. Donc, on avait développé, encore une fois, le digital. On en était au tout début, mais j'avais détourné les télé-shoppings de TF1, de grand-mère, quoi. Voilà, en télé-shopping de Colette avec, alors à l'époque, j'avais appelé Daphné Burki, qui était encore toute jeune, Thomas Lellu, j'avais monté une équipe où donc voilà, c'était mes acteurs qui présentaient les produits et tout ça, et l'idée c'était voilà, on va driver vers le e-com, vers le e-commerce avec cette vidéo. Donc bref, donc tu vois, il y avait une capacité quand même de renouvellement. Mais bon, moi, c'est vrai qu'au bout de 7-8 ans, déjà dans ma vie, j'étais en grand changement. Il y a eu un divorce. Et je pense que la semaine du divorce, il y a eu ma lettre de démission sur la table de Sarah, parce que je crois que j'avais un besoin de changer beaucoup de choses. Alors moi aussi, grande faux folle, enfin Colette, j'ai aussi à un moment donné, enfin très vite en fait, je suis assez boulimique d'activité, et en fait j'écrivais des chroniques dans la presse, je faisais des chroniques à la télé à un moment donné, je commençais à être DJ, et puis j'ai eu ce truc où j'étais aussi hyper sensible au monde, à la sustainability en fait dans la mode. En fait j'ai commencé, mais vraiment, donc ça remonte à il y a 15 ans, à commencer à m'intéresser. Je voyais ce qui se passait aux États-Unis et tout ça, et je me disais mais il faut qu'on fasse des choses, c'est pas possible. Et donc j'ai développé un blog à l'époque Green Kiss, pour essayer de faire parler de toutes les initiatives sustainable que je trouvais désirables, parce que mon sujet c'était ça. Je me disais mais en fait comment réussir à lier les deux, quoi. Ouais. Mais parce qu'à l'époque, alors encore pire qu'aujourd'hui, oui. On était vraiment dans un monde où c'était le pays du chanvre, des tueries, genre au bout du rouleau, quoi. Et donc, je me dis, mais non, mais il y a des trucs géniaux qui se passent, il faut les mettre en avant. Chez Colette, j'avais monté une expo par rapport à ça. Enfin, j'en avais parlé avec Sarah. J'avais fait une ligne de t-shirt avec un copain en éco, recyclé. Enfin, bon, bref. Et donc, j'ouvrais, en fait, des espaces nouveaux. Et donc, il y a eu un moment donné, j'ai dit, non, mais il faut, en fait, que j'ai besoin de prendre la parole toute seule. Donc, avec un changement de vie personnelle, et puis d'un seul coup, ce truc où je me dis, j'ai besoin de dire moi, je. Donc, je pars et je monte mon agence, qui finalement n'est pas une agence, c'est moi, en fait, qui suis devenue consultante. Au début, je voulais faire un peu attachée de presse en même temps, mais j'ai, en fait, très vite arrêté et je suis devenue vraiment ce 360 créatif de com', tu vois, que je raconte avant chez Colette. Et en fait, les marques sont venues me chercher pour ça. Et de Reebok en passant par Burberry, Cartier et surtout Hermès, qui a été mon grand client pendant 5 à 6 ans. Et du coup, voilà, et cette possibilité d'être dans du storytelling d'événements, digital, pop-up store, collaboration. J'ai même été, tu vois, développé la Yellow Boot pour Timberland en mon nom signé, une capsule de bijoux pour la marque J'aime. Enfin, donc ce truc un peu vraiment à 360, quoi. Mmh. Ouais, de prendre la parole en ton nom, quoi. En mon nom, en consulting. Donc, en fait, j'ai toujours fait, d'un seul coup, quand je suis devenue indépendante, j'ai vraiment eu ce rôle de consultante, de murmurer à l'oreille des marques sur des sujets à 360 de communication. Parfois, c'était que de l'écriture, un ton de parole, etc. Et puis, en fait, toujours réserver de l'espace, mais de façon encore une fois spontanée, pour des projets perso. Parce que tout le temps, j'ai eu des trucs d'un seul coup qu'une marque pour laquelle je bossais ne pouvait pas monter, mais que moi, je me disais, oh, j'ai envie de monter un événement à Paris où on va se retrouver tous le week-end. Bon bref, donc c'est devenu Brunch Bazar à l'époque. Mais j'étais vraiment, alors en plus, j'étais enceinte et j'étais là, je veux pas faire partie des mamans avec que des mamans. Genre, je fabriquais un événement où on se retrouve tous et donc avec les valeurs du troc, de la sustainability, etc. Et donc, j'ai monté le Brunch Bazar qui était devenu un événement d'un week-end que j'ai tenu pendant quelques années, un gros truc quoi, qui s'est fini même au Palais de Tokyo avec 10 000 personnes et tout ça, où vraiment c'était l'idée du pop-up store éphémère, du restaurant éphémère, des ateliers pour les enfants gratuits, pour les adultes, enfin bon, truc énorme avec un business model foireux, hein, donc j'ai perdu de l'argent, tout ça. Ah oui, je suis pas non plus un génie pour récupérer. Mais tu t'es éclatée. Ouais, mais pareil, enfin tu vois, alors après en plus aujourd'hui enfin depuis 12 ans, je suis mariée avec quelqu'un qui est un entrepreneur aussi, qui du coup m'accompagne dans cette folie là parce que on est des preneurs de risques, lui encore plus que moi et tout ça. Mais si tu veux, tu vois, Brunch Bazar, j'ai eu l'idée de ce truc. Je me dis je peux pas le faire toute seule. Enfin, option A, je développe un deck, je vais voir des marques, je trouve des sponsors. Bon, ça va me prendre 2-3 ans parce que on est en France et que les choses vont très lentement. Option B, je trouve des partenaires en fait de jeu qui sont en fait des gens à Paris que je connais, qui vont être bons dans des domaines dont j'ai besoin, c'est-à-dire la fille qui va être bonne dans le côté enfant parce que je voulais monter des ateliers, quelqu'un qui va être plus sur la mode parce que je voulais monter des stands de revente second hand, etc. Un petit resto qui venait de se monter organique, bon bref. Et donc je trouve des partenaires qui auront besoin de moi parce que je vais monter un événement qui va créer de la communication pour diffuser de l'info sur leurs propres histoires à eux et qui vont du coup s'embarquer en étant micro-entrepreneur dans mon entreprise, tu vois. Et donc c'est comme ça que j'ai monté Brunch Bazar. J'ai monté un pool, une team en fait, une sorte d'équipe qui s'est investie au début, tu vois, corps et âme en fait avec moi dans le projet. Moi j'ai investi sur la prod, sur les lieux que je louais, etc. Et le truc il est parti, mais enfin le premier événement qu'on a fait, il était full quoi. Et parce que je pense que ça correspondait pile à un moment donné, les gens avaient envie d'un truc comme ça à Paris. Il y a l'air du temps quoi. Ouais. Et mais bon, j'avais pas le business model, hein. C'est-à-dire qu'en gros, premier rendez-vous, tout est gratos. Après, je me dis bon, on va faire payer l'entrée 2 €. Après, donc au fil du temps, on a monté le truc. Je devais trouver des sponsors, des marques, etc. Et on a eu un Palais de Tokyo avec 10 000 personnes, c'était fou, etc. Et le dernier, en fait, que j'ai monté au carreau du temple, grosse plantade, parce qu'on s'était pas fait, on n'a pas fait gaffe, on l'a monté pendant un week-end, je crois, de Pentecôte, enfin, je sais pas trop quoi, il y avait plus personne à Paris. Et financièrement, ça a été la cata, et là, j'ai fait, ouais, stop. Et alors, pour la première fois, en fait, j'ai arrêté d'être pitbull, j'ai pris conscience qu'il y a des moments où il faut savoir lâcher. En fait, ouais. Tu vois, à un moment donné, tu te dis, non, mais c'est bon, je vais user ma vie, mon énergie et mon compte en banque. Je suis pas en train de sauver la planète. Là, on va s'arrêter. Et Brunch Bazar a eu son temps. Maintenant, faut passer à autre chose parce que même créativement, de toute façon, j'avais envie d'autre chose. J'étais devenue, tu vois, grande organisatrice de stands. Ouais, tu faisais des événements énormes. Ouais. Mmh. Et donc, voilà. Donc, ça s'est arrêté. J'ai une question. Alors, je sais pas si elle est philosophique, mais ça m'intéresse vraiment. C'est, tu sais, il y a ces personnes qui sont toujours au vent de la bouée, comme disent les marins, c'est-à-dire qui sont toujours précurseurs, et puis il y a l'air du temps. Toi, j'ai plutôt l'impression que tu es plutôt précurseur. Et en fait, le truc, c'est que parfois, quand on est trop précurseur, ben, malheureusement, on loupe l'air du temps. Il arrive un peu plus tard. Tu vois, c'est peut-être ce que tu disais avec ton blog. Ben, finalement, tu étais tellement en avance qu'à l'époque, tu n'avais peut-être pas l'audience. Ouais. Qui allait parce que les gens n'étaient pas prêts encore, le monde n'était pas prêt d'une certaine manière. Et je voulais savoir si tu as une réflexion, un conseil là-dessus pour les personnes qui sont comme toi, il y en a pas beaucoup, hein, mais qui sont plutôt à l'avant des tendances. Comment est-ce que tu sais quel est le bon moment ? Ben, je le sais pas. En fait, comme je rationalise pas à ce moment-là. En fait, j'écoute ce qui se passe dans mon ventre, l'envie que j'ai. et je m'interroge pas à savoir si c'est le bon moment. Donc il y a des choses effectivement qui, et quand ça marche, c'est que c'est le bon moment, et quand ça marche pas, c'est que c'est trop tôt. Ouais. Mais je regrette pas, par contre. En fait, tu vois, je pense que ce que j'ai aussi un peu peut-être compris ou accepté, c'est que tout ce que je fais, même si d'ailleurs c'est un échec financier, même si c'est ça a pas la répercussion et que je voulais que ça ait, déjà ça me c'est une expérience folle pour moi. Et c'est, en fait, tout ça contribue à fabriquer qui je suis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense, soit des marques, soit des gens viennent me parler, parce qu'il y a eu toute cette histoire avant. Et je pense quand même que pas mal des projets, s'ils n'ont pas été des grands succès commerciaux, financiers, sont été quand même des... On fait un peu parler d'eux, tu vois, et on raisonnait en fait à ce moment-là culturellement, ou alors, je sais pas, en tout cas, encore une fois, dans mes rendez-vous avec des clients, avec des marques, pendant longtemps, on m'a parlé de Brunch Bazar, on m'a parlé de Twenty, ou de, parce que ça a résonné à un moment donné. Donc je me dis que finalement, en tout cas, quand on fait des choses, en fait, l'objectif final, évidemment, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une convergence parce qu'il faut en vivre. Donc, il faut qu'il y ait, à un moment donné, un projet qui se transforme en succès, mais financier. Mais tout ça, en tout cas, ça écrit ton histoire de marque. Ah, ça écrit mon histoire de marque à moi, Nadège Winter, peut-être, tu vois. Et donc, il n'y a pas de regret du tout. Puis finalement, je me dis, voilà, c'est dommage que j'ai eu un temps d'avance. Mais finalement, c'est peut-être intéressant de savoir que je peux avoir des temps d'avance, tu vois. Et puis en plus, je pense qu'aujourd'hui, les choses vont beaucoup plus vite. Donc, on est presque toujours un peu finalement en retard, quoi. Donc, ouais. Non, en fait, je crois que ce qui peut me frustrer des fois le plus, c'est d'avoir une idée, un truc, et puis pas avoir réussi à le monter assez vite. Et d'un seul coup, il y en a un autre qui... Quelqu'un d'autre qui est plus rapide. Alors là, voilà. J'ai encore une dernière question sur ce sujet, puis après on passera au crib du gratin. C'est assez bêtement, mais du coup, c'est quoi tes kiffs du moment? C'est quoi tes envies du moment? C'est quoi justement les tendances que tu regardes en ce moment? Alors déjà concrètement, je suis plus chez Calvin Klein. Ah. Donc, je ne savais pas, tu vois, j'apprends quelque chose. Ouais, j'ai fait un an. Alors bon, le Covid, la Covid n'a pas facilité les choses. Ouais. Et donc, c'est une sorte de départ, on va dire, mutuel de séparation. Bosser à distance dans un nouveau pays, ça doit pas être évident, quoi. Ouais, en fait, bon, en plus, tu sais, c'est des maisons en fait américaines iconiques qui sont finalement, quand tu arrives aux États-Unis, c'est du business de masse, en fait, tu vois. Enfin, moi, j'avais naïvement aussi quand même ce regard sur une marque qui, en plus, avait fait rentrer à l'époque Ralph Simons, etc. Et en fait, du coup, à ce moment-là, finalement, tu rentres dedans et la matrice est plus la même. En fait, c'est un gros projet commercial. Bon, bref. Donc, ça résonnait plus. Et avec la Covid, ça a été encore pire. Et donc, du coup, séparation. Et je suis repartie au consulting, là, de New York, tout en gardant un peu le regard sur ce qui se passe quand même. Et je suis appelée régulièrement, donc on verra ce qui se passe. Mais je fais du consulting et je pense que j'adore, en fait, aujourd'hui, les possibilités qu'il y a de réécriture de nos industries. Et je pense que c'est hyper intéressant, tu vois. Et donc, aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas d'idée vraiment précise. Je pense que je vais dire ce que tout le monde dit aujourd'hui, en fait. Tu vois, on est dans des vrais sujets de curation, dans des vrais sujets de communauté du local. La sustainability, c'est un point, mais c'est surtout, en fait, ça coûte... réfléchir à des projets où le point de vue, le choix, la curation vont être déterminants. On revient finalement un peu à de l'artistique, quoi. Ouais, et de l'artistique et des vrais choix. En fait, je pense que les marques, il y a vraiment cette transformation du global au local et d'offrir aux consommateurs vraiment ce qui était une réalité, une tendance, mais qui est encore plus déterminante. Quelque chose qui dépasse la fonction de produit, et donc ce storytelling sur, en fait, offrir des histoires qui se consomment autrement que dans de l'achat. Donc mais c'est une banalité de dire ça, tu vois, ça existe depuis toujours, mais je pense que là il y a des vrais sujets d'expérientiel qu'il va falloir inventer, réinventer, voilà, et puis tous les formats de vente, en fait, online, tout ce qui peut se développer avec les réseaux sociaux, les formats nouveaux. Enfin voilà, c'est il y a vachement de choses ouais, hyper intéressantes à craquer. Mais il y a, c'est vrai que là d'un seul coup, il y a une sorte de, c'est très bruyant. Il y a beaucoup de choses et donc c'est effectivement essayer de faire du nettoyage pour faire émerger ce qu'on appelle l'authenticité, enfin je sais pas, une vérité, quelque chose de plus précieux que ça. Donc c'est un peu compliqué, mais mais je trouve ça hyper intéressant là en ce moment. Bah écoute Nadège, si tu l'acceptes, du coup je mettrai tes contacts dans les liens du podcast, comme ça si jamais les personnes qui nous écoutent, il y a pas mal quand même de dirigeants d'entreprises, de marketeurs, beaucoup de gens qui bossent dans des grosses boîtes hein, qui écoutent Le Gratin, donc peut-être que ils voudront faire appel à tes services, même si ma communauté à New York est encore naissante. Je travaille avec Paris. Là je travaille avec une grande marque de luxe de Paris. Pour terminer, j'aime bien poser quelques questions, tu sais, un peu perso. Il y en a une que j'aime bien parce que je trouve qu'elle apporte toujours beaucoup. C'est, est-ce que tu as vécu un échec qui est un peu ton échec préféré, si tu veux, l'échec qui t'a le plus appris, un moment difficile, hein, si c'est pas forcément un échec, mais une période dont tu pourrais me parler et surtout ce que tu en as tiré comme enseignement. Alors évidemment, je veux dire, comme tout le monde, j'en ai eu plein, mais j'ai jamais vraiment. C'est étrange. Je n'ai jamais vraiment eu la sensation que c'était des échecs. Tu vois, je pense que j'ai des moments de doute. Là même, le fait, tu vois, d'avoir quitté Calvin Klein au bout d'un an, même si c'est au fond de moi, très sincèrement, j'ai d'un seul coup senti que j'étais malheureuse et qu'il fallait que ça s'arrête et que je préférais prendre le risque d'être dans une situation d'indépendance, même dans ce contexte aujourd'hui de crise. Mais il y a quand même un petit bout de moi qui est genre, j'ai pas fait le temps que je voulais faire, quoi, tu vois. Et donc, et puis je pars à New York et puis finalement, il se passe pas exactement ce que je voudrais qu'il se passe. Mais en fait, tout ce que je vis qui peut ressembler à un échec, je le vis comme une sorte d'épreuve ou de petit bout de chemin qui me fait grandir. C'est une expérience nouvelle, quoi. Donc il y a quand même ce coup-là à New York qui est un peu dur. Aussi, tu vois, là. Mais en même temps, c'est comme tous les, tu vois, les coups durs, entre guillemets, un divorce, un projet qui s'arrête, enfin bon. Déjà, je suis hyper fataliste, je me dis les choses n'arrivent pas par hasard. Je pense que, par exemple, New York, c'est l'opportunité, mais vraiment, déjà, une chance de folie. Ça fait quelques mois que je passe beaucoup de temps à lire, à écouter les podcasts, etc., à me nourrir de plein de choses, à renouer du coup des contacts et là de collaborer avec une très belle marque en France et du coup oui, en fait tous ces moments de pause ou de changement pour moi c'est juste des moments qui sont des moments restructurants et je pense qu'effectivement il y a une phrase d'ailleurs que j'ai retenue il y a pas très longtemps je vais faire un peu même philo mais c'est Socrate qui disait je crois que la chute n'est pas un échec. L'échec, c'est en fait de rester là où on est tombé. Et tu vois, c'est ça, c'est vraiment cette idée de dire que, en fait, il faut être dans le mouvement et qu'en fait, ce que j'ai dit, je crois, au tout début, c'est que l'audace ou oser, malgré les peurs qui nous tiraillent le bide, en fait, c'est ça qui te fait avancer. Et donc, il y a pas d'échec à partir du moment où tu te relèves, tu sais, et tu as cette capacité et tu vraiment au fond de toi, tu vas chercher quelque chose qui te dit non mais tout ça a du sens et en fait ça me permet d'avancer, de grandir encore et d'aller chercher la lumière un peu ailleurs quoi. Donc voilà. Tu vois, j'avais une question qui est est-ce qu'il y a une maxime ou des mots de sagesse que tu aimerais partager avec nous? Là déjà celle que tu m'as citée, elle est vraiment hyper intéressante quoi. Une autre question, c'est s'il y avait quelque chose à refaire dans ta vie, ta carrière, ta vie perso, ce que tu veux, qu'est-ce que tu referais différemment? Alors, dans l'écriture, dans le chemin, je crois que finalement, tu vois, je suis hyper satisfaite, hyper heureuse, effectivement, hyper fière de tous les chemins que j'ai croisés, de tout ce que j'ai construit. Après, alors, est-ce que j'aurais voulu peut-être, je sais pas, être plus Mais ça, je pense que c'est impossible, mais être plus sûr de moi à 15, 17 ans et partir plus vite dans le monde créatif. Enfin, tu vois. Et parce que j'ai toujours cette frustration de me dire, non, mais au fond de moi, voilà, je voudrais écrire, je voudrais être une artiste. Il est encore temps, Nadège. Oui, mais oui. Du Covid. Mais oui, c'est ça. Alors là, il y a une sorte de petite résistance. Je ne sais pas, il va falloir que je reparle avec moi-même, mais. Et après, alors non, après, dans ce monde d'ultra marketing de soi, des fois, je me dis, oh, j'ai jamais vraiment joué la carte de l'auto-marketing, de, tu sais, me mettre, voilà, me mettre en avant. Ouais, il est presque, en fait, arrivé, enfin, je veux dire, pas par défaut, c'est pas le bon mot, mais tu vois, c'est-à-dire, organique. Contre toi, quoi, de manière complètement organique. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que. Ouais, et tu vois, et dans ce monde où, voilà, je sais pas, tu sautes en l'air et là, tu deviens déjà une influenceuse à 3 millions de vues. Enfin, je me dis, bon, peut-être que j'aurais dû, peut-être que, tu vois, mais c'est pour nourrir un ego et puis peut-être générer plus de business. Mais en même temps, bah, peut-être que ça va arriver parce que je crois que j'ai aussi envie de raconter des choses et ça. Que j'ai un point de vue et que du coup, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais du coup, tu vois, là, en ce moment, ça me titille. Je me dis, tiens... aller découvrir les nouveaux talents, profiter d'être ici, tu vois, de faire peut-être développer une capsule vidéo, enfin faire quelque chose, raconter l'expérience d'ici en fait, c'est de clair. New York en tant que française, ce qui se passe et de trouver un format pour le dire. Alors c'est pas pour me mettre en avant, c'est peut-être plus pour raconter. Ouais, raconter quelque chose. Ouais. Et l'espoir aussi, tu vois. Donc là en fait, moi je suis toujours dans ce truc de en ce moment, tu vois, d'essayer de développer des projets sur la révélation des talents, les gens qui vont faire demain, parce que je pense qu'en fait, il faut être tout le temps habité par cette lumière là, en fait, et que c'est pour ça que je dis qu'en fait, en période de crise aujourd'hui, faut garder l'espoir, parce que comme à chaque fois, ça s'est écrit dans l'histoire, il y a un renouvellement qui va se faire, c'est certain, et c'est nourri par des gens, par l'énergie, en fait, nos énergies, et il faut pas lâcher, quoi. Mais c'est pas pour autant qu'il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres. C'est clair. Et ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui t'ont particulièrement marqué et surtout que t'aimerais recommander autour de toi parce que ils ont été des livres un peu fondamentaux, tu vois, pour toi, dans ta vie, dans ta carrière? Alors, en réfléchissant, je me dis qu'il y a un livre qui est un peu une sorte de livre qui est plutôt pour les gens éveiller la créativité ou enfin en tout cas qui est une sorte de petite bible rigolote. C'est Les Sacrés Conseils de George Lois, qui est en fait un directeur artistique et qui est toujours vivant d'ailleurs, mais il doit avoir 85 ans, qui a été le directeur artistique de Esquire Magazine. Ah oui. Tu vois, et tu te rappelles, je sais pas, ces mythiques découves avec Marilyn Monroe. Oui. Tu sais, voilà. Bon, et il a fait donc un petit bouquin qui sont je sais plus, 50 bons conseils pour être un bon créatif, mais avec beaucoup d'humour, etc. Donc c'est le genre de petit bouquin que j'aime bien parce qu'il y a toujours des citations. En éveil. Après, dans des bouquins, parce que je pensais à des bouquins plus de construction, enfin de soi, etc. Et toujours sur ces notions de créativité, où la puiser, etc. Et en fait, il y a une femme que j'adore qui est Elizabeth Gilbert. Donc c'est évidemment mange, prie et aime. Ouais, en français. Mais bon, il y a Eat, Pray, Love. Exactement. Et il y a l'autre livre qu'elle a écrit, je crois, il y a pas très longtemps, Big Magic. Et où elle décrypte vraiment en fait l'instinct créatif et le dépassement de ses peurs, etc. Dans le même type de bouquin en fait aussi qui te permet de comprendre que finalement c'est pas forcément tout s'arrête pas à tes capacités, mais en fait tout dépend aussi de ton mindset. Bah, c'est le mindset de Carol Dweck qui fait la différence entre le fixed mindset et le growth mindset. Et ça, c'est super intéressant, je trouve aussi, sur la capacité, en fait, selon la façon dont tu regardes le monde et ce qui t'arrive, d'être plutôt dans le grandissement, l'évolution, le changement, plutôt que d'être figé et contraint par les lois, en fait, extérieures, etc. Et après, s'il y a un livre d'auteur C'est parce que je regardais notamment un documentaire sur elle il n'y a pas très longtemps sur Netflix, c'est John Didion, L'année de la pensée magique. Ah, ça, je connais pas. Qui est une auteure américaine fabuleuse et donc qui est un livre qu'elle a écrit à la mort de son mari, de sa fille, qui ont eu lieu carrément la même année. Et en fait, je pense que c'est un des bouquins sur... alors ça se couche, bascule dans un autre sujet, hein, mais sur le deuil, sur mais l'apprentissage de la vie finalement et la capacité à, tu vois, à avancer et qui est un livre assez fabuleux. Alors peut-être pour finir aussi, parce que je suis aux États-Unis, je voulais quand même parler d'un bouquin sur l'Amérique. C'est un auteur, mais que tu connais toi évidemment, j'imagine très bien, Jim Harrison. Écoute, c'est le livre de d'Alva en fait, qui est un bouquin qu'il a écrit sur les grandes l'Amérique et tu sais les grandes terres des Indiens, etc. Voilà, enfin c'est toutes ces épopées là et c'est super. Voilà, c'est Ah bah tu vois, tu détrompes-toi. Alors là tu m'apprends complètement. Je connaissais pas John Didion et Jim Harrison, tu vois. Donc j'adore quand je pose cette question de découvrir de nouveaux livres. Donc là t'as fait la journée. Cool. Ça me fait trop plaisir. Nadège, merci pour ton temps. Merci de t'être levée tôt pour moi. C'est absolument adorable. Si on veut te retrouver, même si je sais que pour l'instant, tu n'as pas encore décidé de franchir le cap de l'auto-promo, mais néanmoins, si on veut te retrouver, si on veut te contacter, si on veut te poser des questions ou juste te suivre, est-ce qu'il y a un endroit que tu nous recommandes pour le faire? Instagram, LinkedIn. Instagram, LinkedIn, tout simplement. Je mettrai tous les liens, du coup, dans les notes de l'épisode. Nadège, je voulais te remercier. C'était vraiment un très beau moment. Et je te remercie pour tout ce que tu nous as partagé. Moi, j'ai une pile maintenant de lectures comme ça, tu vois, pour continuer la semaine. Merci beaucoup. À toi, merci beaucoup.